Bon, il est 10 h passées et j'ai ouvert mon calendrier. La case 15, c'est un chocobon. J'ai les lèvres éclatées et j'ai surtout la tête en vrac. Oh là là, mon acouphène. Là, c'est toujours pareil. J'ai plus de tête. J'ai fait du montage là ce matin. Oh là là, comment j'ai du mal à me concentrer. Puis d'écouter pour couper, tout ça, c'est une horreur. J'ai une tête comme ça, vraiment. Ça va être compliqué la journée d'aujourd'hui. Déjà hier, en fin de journée, j'en pouvais plus. J'avais mal au crâne, j'étais pas bien. Et là, c'est reparti de plus belle. Vraiment, ce truc-là, j'en ai ras-le-bol. En plus, j'ai envie de bouffer. J'en ai marre. J'en ai marre aujourd'hui. Depuis hier, j'en ai marre. Bon, voilà mon petit déjeuner. Un bol de céréales Trésor, là. Et un petit café. A few moments later. Bah voilà mon repas du midi, des flageolets. Et j'ai fait deux fricadelles au porc. J'ai fait au micro-ondes parce que derrière c'était écrit qu'on pouvait. J'ai essayé. Mais je sais pas si je mangerai les deux. Et voilà mon dessert. Je vous ai montré que de la bouffe aujourd'hui. Je suis désolée. Bah, j'ai fait du ménage, du rangement. J'ai préparé mes affaires pour moi demain. Et voilà, j'ai fait que ça aujourd'hui. J'ai cherché des affaires, cherché ce que j'allais prendre, des trucs chauds, et du rangement. J'ai désordonné la live TikTok, j'ai rien fait de fou. Il est 17 h, presque 17 h 20. Mon vlog sort à 18 h. Collaboration make-up. Et j'ai trop envie d'ouvrir. J'ai ouvert celle d'aujourd'hui, mais comme demain je serai pas là et après-demain sûrement non plus, j'ai très envie d'ouvrir les deux cases. J'avais aussi une grosse partie de tous les pinceaux que j'avais à laver, mais il m'en reste encore pas mal. J'ai plus de place pour faire sécher. Donc ouais, je vais ouvrir le 16, donc la case de demain et le 17. Pas parce qu'à mon avis, je rentrerai que. Pff, je suis décalée avec les jours. Je pars demain vendredi, et je reviens samedi. Donc, je rentrerai dimanche chez moi. Donc, j'ouvrirai le vendredi et le samedi, donc le 16 et le 17, qui sont des toutes petites cases. Donc, j'imagine. Ouais, bah, c'est bien ce que je me doutais. Des petits œufs. Qu'est-ce qu'on a là? Chocobon et petit œuf. Bon, je vais vous montrer ma petite commande Gold. Je l'ai reçu hier. Alors déjà, il y avait le petit pochon cadeau de Noël. J'avais pris l'emballage, mais je pensais que c'était une boîte. Tant pis. Il est grave joli cette année. Hein. J'ai pas pris grand-chose, mais j'ai pris des choses quand même utiles. À part ça et un autre truc. J'ai pris un petit masque pain d'épices qui est trop cute. J'en avais trop envie. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de masque en tissu. Franchement, je suis raisonnable là-dessus maintenant. J'ai pris la petite palette multi-usage. Bon, je trouve qu'elle fait plus teint, mais on peut s'en servir sur les yeux. Pixie Hello Kitty. Je vais l'ouvrir, elle est trop mignonne. Alors, voilà comment elle se présente, cette petite beauté. Je vais mettre le flash. Regardez, elle est trop belle. Oh, c'est de l'irisé, hein, au fond. J'aime trop. Oh non, Bill. J'ai repris mon fond de teint préféré d'amour. Oh, je commence à avoir la crève, moi. C'est le Anastasia en teinte 130N. Je l'aime trop, son teint. Pour l'instant, c'est mon préféré. Ma colle à fossiles. J'aurais tellement voulu l'avoir quand j'ai fait le maquillage. Putain, j'ai encore de la teinture. À chaque fois que je me gratte la tête, j'ai de la teinture dans les ongles. Pourtant, j'ai bien rincé. Hein. Bon, là, c'est le grand format. J'ai pris un nettoyant, bon c'est j'ai pas la peau grasse. Hein. Un nettoyant visage à Dermo. C'est un gros format quand même. Et j'ai pris cette beauté. Ma lotion préférée, Pixie. Mais j'ai pris la collection Hello Kitty. Hein. Oh, je pouvais pas résister, elle est trop belle. Ça, je la garderai toujours. J'ai eu les échantillons que j'avais demandé, donc j'avais pris le petit parfum Kayali. Là, c'est Burning Cherry. J'ai pas encore senti. C'est quand même un beau format hein, pour un échantillon. C'est Sun and Sky et c'est un masque repulpant.
J'ai pris du Drunk Elephant, Golo. Et le petit pochon gold qui est trop beau cette année, franchement, enfin, pour ce mois-ci, il est vraiment beau. Donc dedans, on a un petit crayon Anastasia Beverly pour les sourcils. Et je pense que ça m'ira cette teinte, medium brown, j'espère. Par contre, c'est con de mettre des trucs comme ça quand on ne connaît pas la couleur des cheveux des gens, mais bon. Un petit savon solide Beauty Blender, bah, je l'adore, il est très bien. Un petit rouge à lèvres Sephora Lip Stories, là. Je l'ai pas celui-là, ouais. Il est trop beau, je suis trop contente. Et une huile démaquillante d'une marque que je ne connais absolument pas. Mais c'est toujours pratique. Voilà mes achats gold. C'est le vlog de la bouffe, là. Bon, bah, comme d'hab, ici, frites, Big Tasty, wrap ranch, sauce barbecue. Je le veux. Je veux ce chocolat. Il va y passer ce soir, je crois. Vraiment, j'en ai ras le cul. J'ai mal mangé aujourd'hui. Bon, pas toute la journée, mais quand même, j'ai envie de bouffer en ce moment et j'ai très envie de sucre, pire que d'habitude. Ça m'énerve. Cette boulimie émotionnelle me gave. Vraiment. En ce moment, c'est comme ça presque tous les jours. Ben, j'ai croqué dedans pour la miniature. Je vais pas le manger comme ça. Mais il sent trop bon et il est trop bon. Mon Dieu. Bon, je vais vous abandonner ici. Ça aura pas été intéressant, je sais. Un vlog de bouffe. Clairement, un vlog de bouffe. Il est minuit passé. Je vais faire dodo car demain, je me lève tôt. Et demain, le vlog sera bien plus intéressant. Comme je dis, c'était la journée de la bouffe. Et ouais, je sais. Bref, c'est comme ça. Y a des périodes où c'est pire que d'autres. Moi, je vous dis à demain.